Mais je pense que la loutre est assez molle. Ça a l'air mou une loutre. Et donc Du coup tu braconnes pas un truc qui est mou Du coup peut-être que euh, on peut pas blesser une loutre, tu vois. C'est genre comme taper dans l'eau, il se passe rien. Oui, alors euh, je te laisse regarder des vidéos sur internet de requins blanc, tu vas voir comment ça blesse des loutres. Salut à tous et bienvenue sur Valet Pel Magic Arena FR. Comment ça va fou Ça va très bien et toi Ça va très bien, parce qu'aujourd'hui... C'est Tryhard. C'est Tryhard, je ne sais pas quel a été l'extrait début de vidéo, mais je sais qu'il a été peut-être difficile à produire, parce qu'aujourd'hui, on joue l'autre combo. On joue Meneuse de de vallée avec Vitalité Perpétuelle, et c'est pas le loutre combo qu'on a déjà présenté, mais c'est un peu le loutre combo qu'on a déjà présenté. Parce que la base, c'est de faire des loutres avec Vitalité Perpétuelle pour faire plein de mana combo kill dans le tour, mais on ne les fait pas pareil. L'autre loutre, euh, elle se copiait quand on lançait des spells et du coup bah, ça faisait plein de loutres et ça, ça tuait. Celle-ci, c'est une 2-2 flash pour 3. On peut lancer les sorts non-créatures comme s'ils si avaient le flash, même si on, ça on s'en fout un petit peu. A chaque fois que vous lancez un sort non créature, les oiseaux, les grenouilles, les loutres et les rats que vous contrôlez gagnent plus en plus puissance qu'à la fin du tour, dégagez-les. Et on va tuer du coup avec cette chanson de Totentans euh, pour un mal rouge et X. On va créer X rats 1-1 euh, qui ne peuvent pas bloquer. Et les créatures que vous contrôlez avec la célérité jusqu'à la fin du tour, ce qui va permettre de les engager avec vitalité perpétuelle pour faire du mana. Et comme ce sont des rats, bah on peut les dégager dès qu'on lance un spell avec meneuse de faux de vallée pour faire plein de mana, etc. Et le but, ça va être de euh, creuser pour trouver bah, justement euh, notre euh, chanson de Totentance, enfin nos chansons euh... de Totentance et qu'il. Alors, oui. si jamais tu commences à faire euh, du mana euh, infini et que tu bouille tu vas aussi euh, faire la, euh, troisième, euh, le troisième niveau de ton talent du chasse-orage. C'est surtout avec ça que tu vas Tout tuer à très facilement. Euh, ah, plus facilement Parce que je croyais que deux chansons, c'était plus rapide. Il me semble que les gens qui parlaient du deck sur Twitter expliquaient que tu faisais juste mana, tu trouvais ton talent du chasse-orage, six mana, talent du chasse-orage, et, euh, et après, en fait, le deck... Comme il fait une espèce de boucle de euh, je joue un spell, je dégage, je reprends du mana, je rejoue un spell, tu commences à développer un board avec ton talent. Ah c'est peut-être suffisant, ok. Euh, ben bah ouais, du coup, comme tu dis, talent de chasse qui est euh, également un kill. Euh, on fait une petite loutre, donc ça fera du mana plus tard. Euh, on reprend un spell avec ce deuxième niveau. Et le dernier niveau permet de créer une loutre à chaque fois qu'on lance un spell d'éphémère ou de rituel. Ce qui permet de faire un maximum de boards. Euh, à côté de ça, bah, on n'a que des euh, spells qui vont faire de la magie. Ephémère rituel, donc incendier la tour, volée de bois, analyser le pollen qui va permettre d'aller chercher meneuse de flot ou vitalité perpétuelle. Euh, Instructeur piège-foot Qui est une loutre aussi Et qui permet de creuser dans les talents de chasse au rage Ou euh, chanson de totentanz Ça régale Retrouvaille à qui permet de donner la célérité à notre board Notamment bah, tout nos... toutes nos loutres Qu'on va créer avec le talent du chasse au rage Alors ceux de ce C'est pas une carte qui va faire énormément de value Dans le pack Ça va faire de la value surtout sur cette ville est trop petite Qu'on va boucler ça. Parce qu'on va pouvoir euh, du coup reprendre nos talents de chasse au rage euh, Et booncer en permanent euh, adverse euh, pour avoir ouais, tu la, peux la reprendre la ta tige aussi. Hein. Tu ça peux reprendre ça, qui est, aussi ta tige. ça qui marche bien. Ouais. Effectivement, ça trigger ça. Ça va détaper. Il y a plein de, de suites d'interaction à faire dans ce deck. Euh, Druid enquête créature, mais qui va surtout nous permettre de piocher deux. Et formation pâte lopin pour euh, la gestion, bah, notamment pour euh, gérer les méchants démons et les méchants changement de nos adversaires. Ouais, c'est un deck qui est super compliqué à piloter. C'est une version euh, entre guillemets un petit peu améliorée de Temur qui a été ramenée par la team Sanctum of All au Pro Tour, enfin euh, ouais. World Championship. Il euh, y a moyen qu'on euh, se dépatouille un petit peu avec le deck, et je pense que c'est ça qui va être drôle dans la vidéo. Il y a probablement plein de lignes de combos, de départs de combo qu'on va louper. Donc euh, on, va, on va essayer de s'y coller ce matin. Exact, euh, le but c'est de vous montrer, enfin de vous expliquer déjà ici comment le deck fonctionne Et encore vous voyez on avait chacun une ligne de play euh, euh, optimale différente Et, Donc, et euh... parce qu'il y a plein de lignes de play euh, dans et ce ouais. deck qui sont, euh, qui sont très particulières yes. D'ailleurs temps se fait piocher aussi, si le X est assez élevé sur As ou de la tige de Rico. Euh, Et le but ça va être d'essayer de vous montrer ce que ça fait Mais va-t-on y arriver On ne sait pas, c'est ça la magie Si on montait toutes nos games vous diriez Oh bon bah ils vont y arriver, ils vont montrer que la game où ça marche Et non, c'est ça la magie les PL ou la flemme, on ne sait pas. On ne saura jamais, on ne vous dira pas. Dans la gueule de la marée en side, deux négations. C'est de la magie. Un pyroclasme. Oui, très beau ce skin dit donc. Euh, rancune volcanique. Instrument de dissection. Beaucoup de one-off parce que ça vient d'une liste pro tour. Donc forcément, c'est plus intéressant d'avoir beaucoup de one-off. Crépuscule de bleu soleil. Deux aspirateurs à fantômes, Une fissuration. Un assaut d'attelage de, de supplémentaire. Trois formations patelopins de plus. Et une némésie sur lente. Oh, c'est très rigolo d'avoir ça. Et euh, pourquoi c'est intéressant d'avoir des one-off d'ailleurs C'est parce que... En pro tour, les déclistes sont ouverts, donc l'adversaire sait exactement ce que vous jouez. Donc plus vous avez de cartes différentes, plus il doit mentalement tourner autour de cartes que vous avez potentiellement. C'est pour ça. On est parti en remerciant les sponsors, évidemment. Playing by Magic Bazar, code valid 2024 sur leur boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires. Et ça nous soutient quand vous l'utilisez. Merci à tous. Et merci à Ultimate Guard. Lien affiché dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur un site. Vous êtes sur un site, vous faites vos achats. Vous faites vos achats, vous recevez ça chez vous. Ça nous a soutenus. Ça leur montre que vous nous soutenez. Et ça vous a régalé. Merci à tous. Bye-bye. But... Merci à tous. Et la Belle Carte sponsorise cette vidéo. Vous pouvez remporter un booster Dusk Moon. Pour ça, c'est très simple. Il vous suffit juste de laisser un pouce bleu, d'être abonné à la chaîne et de participer dans l'espace commentaires. On tire un commentaire au sort et vous recevez le petit booster Dusk Moon chez vous. Merci à tous ceux qui le feront. Et on vous précise que la Belle Carte rachète vos collections de cartes. Si jamais vous êtes vendeur de collections Lorcanas notamment et Magic, eh bien, vous pouvez nous contacter à labellecartepro.gmail.com. Évidemment, le mail est en description. Et on vous estime vos collections pour les racheter. Voilà, n'hésitez pas, ça nous soutient aussi, c'est utile. Euh, si jamais vous avez des collections qui traînent et que vous en voulez plus, eh bien, nous, ça nous permet de faire de jolis shows sur Voct. Voilà, quatre fois par semaine à partir de 19h. Vous avez un code de bienvenue d'ailleurs qui vous offre 10 euros si vous n'avez jamais été sur vote Exact. Euh, je vais garder cette main, je pense, parce que ça, ça oui. me fait le manade là au de mon choix. Des... On a deux pièces importantes. Ouais, ouais, non, c'est très. Et là, ça okay, ouais. commence. Oh! Ouais, oh, petit crabe. Il est fou. Et eh ben on trouve un autre land. Est-ce que je peux chercher de ferme bleu Non, ouais. Ouais, tout à fait. Je pense que tu veux chercher ton bleu directement. Euh, je crois qu'il peut y avoir des effets stifle à partir de deux manas. Standard, je, crois... je crois pas pour deux non, manas. Non, c'est trois manas ouais. ouais. Il peut te faire euh, Tishana, petit Shana, Tidebinder, mais... mais pas pour deux. Okay. Euh, là tu vas probablement te prendre une negate donc je suis plus instructeur si jamais tu... Instructeur, il y a plus je de gens qui passent effectivement. Pas de progénité. Progénité c'est cool aussi, hein. Six mana ça fait deux loutres qui font du mana plus tard. Ouais mais c'était un peu loin, je pense que tu ah. peux te le réserver en top deck. Bah, c'est parfait, Dans tu tous les tes Ah, Aïe, il n'y a pas de land pour les Ibi. Land, euh... bon, Je crois que qu une qu on Peut-être qu'on voulait pas lander avant, mais c'est pas très très grave. Et petite tige. Hein. C'est vrai qu'on aurait pu avoir des landes tap. Quoi Ouais, tu pouvais, tu pouvais tomber. Bah passage merveilleux, mais c'est pas très très grave. Bah, du coup, il sera pas tap le tour d'après. Ouais, c'est ça. Donc tu risques pas grand-chose. Ok, je pourrais re tige et faire ça fin de tour. Je il crois que c'est ce poser. que tu veux, parce que là, il est up, il n'a pas de mana, mais il a probablement des contres, donc tu peux, tu peux y aller en deux temps. Le druid, ça sera du rouge, ouais. Je lui fais croire à un truc bleu. Fin de tour druide et là, tu vas ouais. pas tarder à pouvoir développer Vitalité, Into Meneuse, et probablement commencer à faire des bêtises. Ce qui est bien, c'est que le deck n'est pas forcément combo déterministe, dans le sens où quand tu lances ta combo, elle ne va pas forcément se résoudre par la mort de l'adversaire. On est plutôt sur une. Tu vas faire beaucoup de boui-boui qui va naturellement t'amener à un avantage. On ne sait pas ce que joue l'oppo, malheureusement. Non, euh, je suppose que c'est euh, Oculus, mais bon. Comment savoir Si c'était Oculus. Euh... Il ouais, faudrait des pâtes lopins à fond, quoi. Mais si c'est pas Oculus, on a l'air con. Hein. Un peu relou. Ouais, mais, mettez pâtes pat, mettez lopins, vas-y. Pâtes lopins, aspirateur. Ouais. Au pire, on décidera. Tu vois, ouais. on side en pré-shot et, et on voit ce qui se passe. Tout à fait. Euh, voler de bois, c'est pas ouf. Fighter ces grosses bêtes, ça ne marche pas. Non, non. Mais de toute façon, voler de bois, c'est pas ouf dans le deck tout court, moi je trouve. Est-ce je bon. que j'enlève ça et j'enlève euh, peut-être les tiges ou les druides En tige, c'est super important, ne serait-ce que pour faire tes... ta magie avec euh, cette ville est trop petite. Bah, Quand on est là, c'est que t'es déjà pas mal, mais ouais. On trouvait que t'as besoin pour la combo. Ah bah incendie, je suis con. Incendie, c'est nul. Du coup, on prend dans la gueule de la marée, ça c'est pas mal. Ouais. Et, euh, et je peux en mettre une tige. Pour que ce soit plus carré. Peut-être une volée de bois juste pour fixer ta mana basse. C'est un deck à 20 landes. Peut-être que le deck a besoin juste ouais. de petits rituels comme ça. Ne serait-ce que pour faire tourner le deck et trouver tes mana au début. Ça marche. Vas-y, on y va comme ça. Hein. On a 4 analysés de pollen aussi hein, qui peuvent faire ça. Mais... Oui, mais comme à la base, le deck est construit avec 27 sources 4 mmh. analysés, 3 euh, volets de bois plus 20 landes. Ouais. Si tu commences à lui retirer énormément de volets, peut-être que ça le déstructure un peu. C'est bien ça. C'est ok, ouais. On n'a pas du tout la combo mais. Ah, eh ben, perdu. C'est pas Oculus. Euh... C'est pas Oculus, ça doit être euh, le deck de Ravière. Certainement. Ça peut être aussi le deck de Kaibu 2, ça peut être une version tempo. Mmh. Je sais pas ce que je préférerais. Je pense que je préférerais le deck de Ravière qui est quand même beaucoup plus euh, clunky quoi. Les cartes sont plus chères, c'est plus rigide comme, euh, comme pack. C'est pas le deck de Ravière, c'est plutôt le deck de Kai. Oh, le deck de Kai. Comment tu parles? Du coup, une version tempo. Euh... Ça va pas être facile, cette histoire. Non! On a bien fait de pas garder une main avec la combo. Comme ça, quand il discarde, bah, il peut pas enlever la combo. Par contre, on a mal fait de décider tous nos handipets rouges. <laughs> Quelle catastrophe! Du coup, oui. <laughs> On a beaucoup de cartes mortes dans notre deck. Franchement, ce serait incroyable qu'on la gagne avec un avec un side comme ça. Bon, J'attaque hein. Oui. Fin de tour. Une fois que j'aurais cassé ça, je pourrais euh, facilement analyser le pollen 8. Ouais, là, à mon avis, il est contre up. Il va nous développer bientôt la Nitessence. Le Totentanz. Ça tu peux le jouer et, et upgrader le talent du chasse-orage, non pour la récupérer un moment. Euh... Ah tu l'aurais fait à X égale 2 là Ouais je pense. Ouais, je pensais on gardait pour la combo. Bah c'était pour. Vu qu'on a rien à faire, j'anticipais sur deux tours, euh, talents, tour et... enfin, euh, ce tour talent ce tour-ci, enfin ce tour-ci, talent le tour d'après. Ouais, après s'il joue rien, on a le temps aussi. Hein. Ouais, justement, je pense qu'il va jouer des trucs là. On a Boons pour récupérer le talent te... et le rejouer. Oui, non, mais ça va, ça va aller. Je pense qu'il va nous développer un gros chat sur la phase d'attaque, là. Un gros chat lumineux. Ou ah. Une chauve-souris, ok. Ah, les chauves-souris, là, on les gère plus du tout. Si, on a une volée de bois. Là, on a rentré toutes les pâtes hein. Oui, oui, on peut, on peut tuer les chauves-souris avec patelopins. mais. Ah, bah, vu qu'il n'y a pas d'Oculus dans son deck, il va falloir que tu tues avec Patlopa. Hein. Ah, mais il a les euh, Mephidros, normalement. Non, c'est la version Tempo. Il n'a pas à la version de Ravière Non. Ah, je croyais qu'il jouait quand même. Non, non, euh, ça va jouer les petites nitessences pour piocher plein de cartes. Probablement des petits Kaito. Yes ouais, Du coup, là, tu fais Totentos. Hein x égale 3. Ouais. Chercher peut-être du bleu là. J'ai pas besoin de double rouge. Ouais. Counter spell. C'est pas très grave. Une fois que c'est tombé, toi tu vas pouvoir faire le, le, le deuxième niveau de ton talent du chasse-orage, t'en es là de toute façon, hein. c'est le plan. Donc... Bah oui. J'ai rien d'autre à faire. D'ailleurs, je vais faire niveau de chasse au rage. Yes. Euh, je reprends chanson de Totten Je la joue pour un rouge. Il se passe rien. Trigger Provost, Un tour. Parfait. Trop stylé. C'est exactement tout ce qu'on veut. Trop stylé. Je crois que tu as perdu cette game. En vrai, tu peux la, euh, probablement la concéder déjà. Attends. Rendu à ce niveau-là. Là, euh... J'ai un bout de réponse là. Tu peux vitaliter une touche récupère Totentos et espérer que le tour d'après tu puisses faire des bêtises avec lui et piocher aucun contre-sort, mais c'est quand même un, un univers qui est euh, extrêmement peu probable. C'est un univers un peu parallèle. Mais il me tu tue tu lentement. Pourquoi tu peux pas upgrader la, la classe quatre. Eh bien, c'est bien cher. C'est très cher, oui. C'est vrai que Dimir il gère pas trop trop bien les permanents, euh, enchantements. Non, mais il gère bien tout le reste. Ça, c'est géré, mais je garde quand même l'effet. No bloc. Oh, le, bon. le draw 4, bon. assassin, ici, de la part de Lesibie. Pas mal cette carte, quand même. Hein. Très bonne carte. Tu vois, quand je vois ça, je me dis, bah, je comprends que tout exile en blanc. Alors, on n'a plus le choix. Hein. Alors, on n'a plus le choix. Oh. Ouais, bah ça te permettra juste de boonser euh, la curiosité. Je peux bouncer. Ouais. Là, tu peux juste passer, à, enfin, passer le truc au niveau 2, récupérer Totentos, booncer la curiosité et essayer de vivre un peu, quoi. Mais quand je dis un peu, c'est un peu. Hein. Là, je vivote. Ouais, ouais. Faut pas trop trop en demander non plus. Je peux faire x égale 1. Je le passe à, à 21. Cheater. Ouais, non. Je pense qu'on va pas le faire. Hein. Non, mais je peux. Ah, tu peux, tu peux tout faire. Un peu trop de land quand même. Hein. Entre ça et les analyser le pollen. Ouais, on a pas très bien pioché. T'as as trouvé tes trois analyser le pollen. Il euh... y a pas un, un Si je. Vide. Si je jump. Non, je pourrais rien faire si je jump. Alors, je crois qu'il faut que tu évites qu'il pioche encore plus, non euh, bah, je vais renvoyer ouais, sa curiosité. Je vais renvoyer ça et ça. Allez, counter spell et on passe à la prochaine. Allez, allez, les zibis, nous fait pas. Allez, nous on est patienté comme ça. Là. Il aurait pu y foutre son petit terrain d'ailleurs. Comme ça, j'étais oui. nickel. Il me foutait ouais, tout ouais. droit. Comment es il tour, tu serais passé en face de bloc. Euh... Ah là, c'est bon, on peut y aller. Merci. En vrai, s'il limitait le terrain, tu survivais de sûr. Pourquoi je suis passé à moins 3 T'as vu Non, je peux pas. Il m'a mis un coup, ça m'a mis à moins 3. Euh, donc... Bah, du coup, incendier la tour, c'est bien. Ça, en fait, c'est hein. de la merde. Ça, Et aspirateur de, de fantômes, c'est pas ouf. Hein. Ça, c'est de la merde. Bon, on les a pas piochés, cela dit. Ni l'un ni l'autre. Oui, oui. Non, non, mais au moins on sait qu'on on les veut pas. Je veux trois tiges contre lui. Tu veux aucun patelopin Il joue... Euh... Ouais, pour des, dro des dropins, c'est pas très bien. Ouais. Euh... Mais il y a un pyroclasme. Hein. Lui, il est vraiment euh... plein Pyro... de petits craps là euh, au tout début. Euh... Pyroclasme, ça peut marcher. On en a un, de toute façon. Ouais, il goûte comme ça. Hein elle remet une volée de bois à la place d'un analyser le pollen. Ok, ça me va. Ça augmenter un peu d'interaction. Est-ce que tu as envie d'avoir des negates pour protéger ah. une partie de ta combo Genre dans la gueule de la marée, c'est pas bien. Pas de bien. la marée, je crois. Non, de la marée. Je remets une petite volée euh, de negate, bois. negate, c'est bien. Non, non, negate, c'est mieux, je pense. Que volée de bois. Que volée de bois, ok. Il faut encore. Juste, un juste une negate. Juste une negate. Ah, une... Prends le side à peu près. Allons-y. Le side à peu près, ça peut marcher hein Bon, enfin, il n'est pas euh, si à peu près, quoi. C'est juste que euh, il faut rentrer, il faut, faut faire bouger un petit peu, faut pousser les murs, quoi. Mais euh, on, je a pense pas que qu on a guide... c'est bien. On n'a pas le sideboard guide. A ouais. mon avis, il n'est pas loin de, de ce qu'on a fait. Alors techniquement, je peux fêter chez Forêt, qui va me chercher d'autres trucs et jouer une game. Ça fonctionne. Ça me décurve un peu. Est-ce que c'est un deck de curve, notre deck C'est un deck de curve. On peut garder cette main drôle. En fait, tu fais quoi Tu fais fetch vert, ensuite tu fais analyser sur du bleu, ensuite tu es obligé de reprendre du vert pour, per... pour... pour vitalité, c'est ça Ouais. Euh, du coup, dans l'équation, il n'y a pas incendié la tour avant le tour 3. Ouais, c'est peut-être une idée de merde, hein, ce qu'on Peut-être une idée de merde. C'est peut-être pas fou. Ouais. Tu vois, maintenant que tu le dis. Vachement mieux. C'est un peu mieux, ouais. On va garder. Alors je peux faire ça pour ne pas me prendre chauve-souris. Tu peux faire ça pour ne pas te prendre chauve-souris. Euh, ouais, je crois que j'aime bien. Ouais, je crois que j'enlever un peu. Ah, que... Ouais, vas-y. Je vais chercher un basique ou pas? Non, je pense pas. Hein. Okay. Je pense que tu veux fighter, tu veux fighter une chauve-souris. Ouais. Oh, je la bute. Oh, c'est bon, par contre, on a compris. On a bien compris. Ah oui, tu es la butte, la chauve-souris, oui. Oh, dès que je peux. Voilà oh, Je peux faire talent, fight. C'est pas recommandé. Puis c'est pas recommandable, surtout. Oh, en talent, talent, rien, c'est très bien. Oh, talent, rien, c'est pas mal, ouais. Allez, deux mana chauve-souris. Oh, Et c'est tellement rare de faire ce play tour 2. Et on sent Balek, du coup. Ah, ils ont réussi à faire au World Championship 50% de win rate avec leur deck, euh, Sanctum of All, leur, euh, leur deck l'autre. Ouais. Donc, si ça ne fonctionne beau. pas pour nous, c'est que c'est pas le deck le problème. Bah, 50% win rate, pour l'instant, on n'a fait qu'un euh, qu BO. Là. Donc, si on le perd, on est dans les stats. Hein. Oui oui non mais toi je vais passer ça tant que je peux. Non mais il y, a de grand, il y a de grandes chances que ça soit assez difficile à piloter quoi. Ouais J'y Il faut un petit coup ou pas Il bloque jamais bah, là Si euh, Bah s'il bloque t'es content de toute façon. S'il bloque, je suis content. Ok. Il bloque pas. Je, je, je vois pas à quelle heure il doit bloquer, mais vas-y les bien hein, si tu veux bloquer. Il va pas bloquer. Il gagne du temps là. Je sais pas, il est un peu indécis, je trouve. Tu te mannes, les y. Voilà. Prends-le ce point de dégâts, on s'en fout. Bah oui. T'en as 20. Non mais on s'en fout. 19 premiers, ils servent à rien. Hein. Yes J'étais hyper content de ce play-là. Moi je vois ça. Hein. Ça il va le keep on top, il a bien raison. Du coup, on va rejouer vitalité perpétuelle pendant qu'il est full tap. Il va refaire consacré par la fiction. On serait un peu déçu, quoi. Ah là, je peux faire ça. Ouais, tu fais ça et instructeur, je pense. Ouais. Ou alors, tu te le gardes pour le tour d'après, mais tu rentres ah, dans là. contre et dans discard, donc. Euh... J'utilise utilise le mana maintenant, là. Il oh, y a du jus là-dedans. Fais voir le champ de bataille. C'est peut-être cette ville que tu dois reprendre, mais je suis pas sûr de moi. J'aime bien. Hein. Je crois que c'est ça qu'il faut prendre, mais je suis pas. Je suis pas un expert des loutres personnellement. Ah mais qui voilà, est expert moi, des loutres ici Personne. Hein moi, je ne suis pas expert de loutre du tout. Comment on appelle un expert des loutres euh, Un loutriste. Un loutriste. Si vous ben êtes non. loutriste. Non, non, un loutriste, c'est un, un canidé euh, qui n'est pas heureux. Ah oui, un, un, ca... <laughs> un canidé méchant. Oh, pas forcément méchant, juste il a le, le -à -lâme, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça oh, Vas-y, voilà, je t'en prie. Je cherche euh, le nom d'un spécialiste des loutres. Qu'est-ce qu'on fait avec ce bord de merde ça m'intéresse grandement. Euh, je crois que tu vas récupérer ton instructeur piège-foudre avec cette ville est trop petite. Puis ensuite, tu vas monter ton talent chasse-orage. Donc là, pour l'instant, tu es juste sur. Euh... Tu le fais maintenant C'est quoi sinon Si je passe tour Ouais, tu tapais juste avec vitalité. Et au moment où lui il va vouloir t'attaquer avec curiosité pour pêcher ses cartes, tu la boons. Tu as peur de prendre counter spell Ah, ben, bah, il a counter. littéralement Counterspell dans la main. Ça voudrait dire qu'il joue rien en main phase 1. Non, mais vas-y, peut-être qu'il faut le faire maintenant. Ouais. Je crois que je ferais ça. J'envoie instructeur et j'envoie curiosité. attends, non. Euh, peut-être qu'il faut que tu renvoies chauve-souris pour fighter la curiosité. Mais il, il garde l'effet. Ouais, ouais, mais dans tous les Ouais, non. Vas-y, j'ai okay, pris beaucoup okay. de time. là. Vas-y, vas-y. Ah, C'est pas un deck facile à jouer. Hein. Non. Euh, je leur joue. C'est mais... ça, il ouais, faut que tu... Avec ça, je sais pas quelle était la meilleure ligne, c'est pas évident. Ah, je peux le kicker aussi. Sinon, non, bref, ah, non, le problème c'est que t'as pas trop le time quoi. Ah, belle, 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 belle comme euh... le jour, belle comme l'amour. Eh ben, écoute, tu peux, tu peux récupérer ton, ton spell si on pense que les dégâts sont inutiles. Euh, prendre une île, ouais. Il utilise le mana. Il se passe des trucs. Compliqué. Mais au moins on sait qu'il doit encore une fois dépenser 4 manas s'il veut piocher ses cartes. Mmh. Et du coup il sera full tap. Ce qui te permettra toi le tour d'après de rejoindre un instructeur et, et peut-être produire des... des choses assez intéressantes. Il va redévelopper curiosité. Il veut pas et non, bah, il sait qu'il n'a pas envie d'être full tap en fait. Il a bien vu euh, notre petit manège. Le petit cheval de manège notamment. Opunto. Je vais activer ça. Ça c'est pas mal, hein, parce que ça, il a du mal à le gérer, je crois. Hein. Ah oui Et tu pourras toujours jouer cette ville est trop petite. Ça me paraît ma foi très bien. Ouais, bah sur sa fin de tour curiosité en flash, je lui fais bah tiens, pas de curiosité. Ah il veut il veut pas il veut pas dépenser tout son mana, il a bien raison. En fait, il sait qu'on joue un deck combo. Mmh. J'ai utilisé ça maintenant. Tu veux utiliser ça maintenant pour booncer quoi oh, Je suis pas mort, Marc. Euh, instructeur et euh, une de ses bêtes pour prendre moins de dégâts, mais peut-être pas. Non, ouais, je crois que tu, tu, tu passes là. Hein. Je fais maintenant Si on le fait maintenant, il dépense son counter spell. Peut-être que c'est pas mal. Je m'envoie chauve-souris tant qu'à faire. Comme ça, je récupère ouais. ça. C'est ça. Ailleurs. Une petite loot de plus. Là c'est contré. Et il s'est contré en gardant son contre, il est très bon. Bah, c'est bien joué. Il y a aucune issue là bah, À moins que. Non. En fait, même si non. je fais ça et qu'il dit ok, ça passe, je la tue, il a trois plans en fly, je suis mort. Non, parce que si tu récupères ça, tu peux fighter, mais faut pas qu'il contre, tu vois. Il faut pas qu'il qu décide contre. ni ça, voilà. ni ça. Donc, euh, euh... Tout à fait. Faudrait Il faudrait qu'il décide de ne pas voilà. contrer ni l'un ni l'autre. Tu veux, j'essaye. Je, oui, bah, fais-lui faire ses actions, quoi. Je lui fais faire son petit sport. Oui, voilà. -fait Désolé. Petit sport, bien sûr. Je vous tiens en otage de seconde. Je vous libère très vite, voilà. Bon. Il a contré. Voilà, merci. Waouh, j'attaque, waouh Oh putain, je l'ai mis à 13 quand même avec mon décombo. C'est pas mal. Hein Gros, il n'y a pas de nom pour le spécialiste de loutre. Mais peut-être qu'il n'y a pas besoin de spécialiste de loutre. Elles sont très ah, bien. Si Mais bien sûr que si. Il faut forcément des spécialistes pour le, des loutres pour les protéger. Mais peut-être que les loutres, elles sont solides. Elles n'ont pas besoin de protéger. Ah, bon, Imagine. Doit y avoir il doit y avoir 2-3 braconniers de loutre. Hein. Ça ne m'étonnerait pas. Mais je pense que la loutre est assez molle. Ça a l'air mou une loutre. Et donc, du coup, tu braconnes pas un truc qui est mou Du coup, peut-être que euh, on peut pas blesser une loutre, tu vois. C'est genre comme taper dans l'eau, il se passe rien. Oui, alors, euh, je te laisse regarder des vidéos sur Internet de requins blancs, tu vas voir comment ça blesse des loutres. Non, mais ça mais blesse ça, bien. Ça, c'est la nature. Genre, si ça devient ouais. le gueuleton d'une autre espèce... <laughs> bon. Ah, puis là, ça, mou, bien, dur, euh, qu'importe... Euh, Qu'importe la, 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 la corpulence de la loutre, je peux te dire que ça, ça, ça blesse bien. Ouais, elle, elle fera jamais 9 mètres la loutre, donc. Euh... Non, 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 c'est très, très compliqué. Elle fait pile la taille, pile la taille de la bouche. <laughs> Marlive. Allez, Marlive. Est-ce que tu vas être plus sympa, Marlive? Marlive Gaumont, j'espère. Ah, ça c'est nul. Hein. C'est moulignant. Ça c'est bien. Ça c'est un peu mieux. J'ai l'impression, quand même, Val. Ouais. Qu'on joue un peu un deck de chi là. Et en tout cas, c'est vrai que dans nos mains, il est pas très bien, le deck. Je crois que j'enlèverais passage merveilleux, puisque tu as retrouvé Yammer ouais. Mer pour, pour trouver tes landes. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Ah, ça, c'est bien, ça interagit pas trop, ça. Ça ah. interagit un peu moins. Ça, ça a des anti mais. Euh... Oh. Ça, ça doit être la, la version de Martio Carvalho, ici. Les bons Donc, tu seras content d'avoir euh, ton petit patelopin pour, euh, pour mes fridos Mes fidros pardon ouais. Salut Comment je vais le tuer Je le tue comment Ah deux points je crois hein. Deux points Ouais c'est que fight spell On garde notre loutre Ouais sinon tu perds ta, tu perds ta, ta petite loutre Dommage Hop là Et deux points Tour d'après, on fera voler de bois qui va chercher quoi, mana rouge pour retrouver la mer Oh, bah pas besoin. Ouais, pour l'instant, besoin de rien. Euh, je crois qu'on va juste reprendre le talent euh, au moment où il veut taper avec Glissa, non Je crois qu'on fait juste ça, ouais. Est-ce que je vais chercher un land pour filtrer quand même Pour utiliser tout mon mana Je suis pas sûr. Je crois pas. Hein. On a envie d'avoir un quatrième mana. C'est sûr, ouais, mais est-ce que tu en... est as envie de l'avoir instantanément Est-ce que t'as besoin de l'avoir rapidement bah, Je veux dire, en fait, ce mana il me coûte un mana à être pioché. Donc, si on veut, je oui, optimiser... veux dire, ça, ça peut être aussi un fight spell, c'est ça que je veux dire, quoi. Bah, contre lui, à part les broncos, c'est dur de tuer des, des bêtes. Hein. Mais si tu penses qu'on a besoin du fight spell, on peut faire juste passe hein. Je, je m'interroge, j'ai pas, pas la solution. Si tu veux prendre un mana, vas-y, j'ai pas, euh, pas beaucoup. C'est plus une intuition plutôt qu'un qu qu argument. Euh, je, je dirais que oui, éta parce étayé. Parce que. Je me serais laissé plus de choix dans la date, disons. Mais, euh, mais j'entends qu'on puisse euh, aller chercher la volée ici. En gros, euh, j'ai envie de retrouver Yammer potentiellement, Et garder mes cartes. Donc potentiellement virer euh, quelque chose. Mais. Ouais. Si je veux faire retrouver à mer et un autre spell, j'aurais besoin de deux mana. Ouais, mais t'avais de grandes chances de trouver un land sur retrouver à mer, tu vois. Euh, bah, ça c'est ok. Ouais. Ça, ça me va tout à fait. Que il a je... fait ça en main phase 1, du coup, il va pas pouvoir rejouer sa glissade, il va être un peu déçu. Là et là. Fin de tour. Nickel. Oh. Eh ben, c'est talent vitalité finalement. Je crois que tu fais talent vitalité, ouais. Il faudra trouver une solution à Glissa ou alors juste on va la chumper avec cette loutre hein, euh, plus tard, quoi. Ouais. Là, on va se prendre Anoint Affliction. C'est attendu. Non, ne réfléchis pas trop, Marlive. Si tu l'as, c'est le play. T'embêtes pas. Oui, oui. D'ailleurs, je crois que tour d'après, je vais juste reprendre mon Boons. Oh putain, non, il fait glissa. Quelle... Quelle horreur. Quelle horreur ce play. Je peux Là, t'as plein de mana. Hein. Je peux reprendre Boons et le jouer. Ouais. Sur sa glissa. Bien. Ouais, du coup, oh, je vais le oui. lander. T'as pas l'impression qu'on joue un peu au con Je peux ah, reprendre oui. le Boons. Je le rejoue <laughs> sur ta glissa. Alors on n'a pas de permanent qui reste sur le board. T'as vraiment l'impression que le deck fait rien d'autre que juste emmerder l'oppo, le retarder, quoi, finalement. Oui, ouais, oui. Le retarder aux mille yeux, c'est une carte de... de Yu-Gi-Oh, ça. Le Boons. Fin de tour. Ah, la cool. J'attends qu'il développe son énorme démon, là. Allez, mets-moi un gros démon là, dans mur d'envie. Pour que les petits lapins le grignotent là. Trop, et en plus, regarde leur lance là, leur lance magique. Ouh, Stylé, leur hein. flèche magique. Tout. Bon, bah c'est maintenant. Ah, bah... Hein. ah oui, mais du coup, il va te... Ah, il va t'attraper le talent du chasse-orage, du coup. Bah ouais, non, je bounce pas l'autre. Ouais. Ok. Ou alors... Ou alors je dis ok, il va m'enlever ça et je vais chumper. C'est pas chiant Non, c'est chiant. Boonst à l'outre, je pense. Comme ça, il doit redépenser 3 manas pour jouer sa glissa. À... Moi, moi, je joue au con jusqu'au bout, tu vois. je ben, joue au con, c'est quoi Ça me va. On s'enlève un mana aussi dans l'opération. Pas très je peux dire que sur le, le ladder des cons je suis pas argent normalement ok Mana bleu. On a toujours l'effet, même si euh, l'effet ne fait rien Et du coup je vois <laughs> pas ça glissa Là il va nous enlever retrouvaille à mer On se retrouve euh, on, est, on est pas giga frais mais tu peux top Deck land pour euh... Ah il enlève pas Tlopin Ah bah on sait ce qu'il a le, le loulou ouais, je vais faire ça du coup ah, c'est bon, pourquoi il enlève pas de lopin Enfin, même si t'as mes fridros, ça a l'air bien de nous enlever à Amère quand même. Oh les mains Patlopin. Oh c'est bien, ça fin de tour non Waouh. Ah ouais, c'est super bien. C'est peut-être même quasiment l'étal avec instructeur. Enfin, l'étal. Il va falloir creuser, hein, voilà. Mais tu peux commencer à boucler un peu, quoi. Pas à décoller non plus, mais. Ah ben oh. non, il faut qu'il qu soit chiant, donc évidemment. Euh, il faut va... qu'il soit chiant jusqu'au bout. Ça, Tiens. Ça ne pouvait pas. Comme ça, tu peux me discard ça et me faire anti-bet là-dessus. Et me... et me tuer la meneuse, bien sûr. Je suis Gucci. Peut-être du... qu'il fallait rien jouer et rester fin de tour plutôt. Enfin, attendre fin de tour, il a enlève... il enlevé l'un ou l'autre et, on... et on a visé. Ah, c'est vrai qu'on lui donne un peu les deux quand même. On lui donne un peu les deux, ouais. En faisant ça. Après, il a déjà euh, double removal, double discard, peut-être que c'est bon. Voilà. Ça, c'est un peu de la merde. Non, mais tu peux faire euh, talent niveau 6. Ouais, wow. ouais. Ouais, bah je vais faire ça. Hein. Ah, mais non. Ah, mais non, si tu fais ça, il va taper avec Glissa. C'est horrible. Bah, de toute façon, il va taper avec Glissa, là. Mais vu que ça, c'est combo et ça, c'est un peu moins combo. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais tu montes le talent au niveau 6 et qu'il tape avec Glissa et qu'il pète le talent, c'est débile, tu vois. De toute façon, il va taper et casser un truc. Parce que je vais pas bloquer. Bah, tu peux. Ah tu vas le laisser casser un truc mais en fait je ne peux si jamais euh, je reste pour Chump, je ne monte pas niveau 6 donc ça c'est pareil je fais juste passe tout ouais. Je pense que je fais ça, je lui laisse le choix. Je garde mon land au cas où j'ai retrouvé Yamer. Et euh, okay. et puis si jamais il décide de pas casser ça mais de casser ça ou ça bah ça me laisse un out pour euh, faire des spl, faire du board. C'est glissa, on l'a remis à 3 tours plus tard et elle nous casse les couilles quoi. Ouais. Je pense que Bronco, j'aurais dû le fight, perdre ma loutre et garder ça pour gérer une Glissa. Mmh. Bah, je peux tuer Glissa, mais bon. C'est pas ça le problème. C'est plus ton problème, disons. Franchement, quand on est dans cette situation, je vois pas comment le deck peut gagner à la moindre game. Probablement en prenant des lignes très alambiquées, mais c'est des decks de spécialistes quoi. J'avoue que là, je vois pas non plus. Là, on est sur l'outre combo, la master chias. Hein. Je crois que les gens attendaient pas forcément de nous, non, qu'on masterise les loutres. Non, c'est pas très très grave. Je peux tuer Glissa. Allons-y. Bah, je pense que tu vas tuer Glissa et le laisser te taper euh, avec, euh, avec le copain Mefidros. Là, il faudrait que je trouve Retrouvaille Amère qui me permet de draw 2, avoir une Totentanz et une Meneuse. Et même avec ça, je fais du mana, du board, mais euh, il ne se passe rien, quoi. Ça suffirait pas tout de suite, non. Est-ce qu'on peut trouver un antibète clean à archifier le On peut trouver un Boons clean. On n'a pas un anti-bet clean. Ça, ça, euh, ça me va très bien. On avait un patron. Un, hein. un Boons qui récupère Retrouvaille, c'est cool. Hein. C'est vrai. suis suffrait. Oh, Vas-y t'inquiète. C'est marrant parce que tous les decks ont gardé la, confi la configuration des worlds avec plein de, de, de duress main deck. Ok, bon on yes. a pas mal de side contre lui. Ça c'est déjà une bonne nouvelle. Bam, bam, bam. Euh, euh... Est-ce que j'ai autre chose Pas tant. Hein. Tu, tu veux une fissuration parce que ça attrape, euh, ça tue Glissa de manière assez clean. Mmh. Ah, ça aussi. Tu peux vouloir ça, ouais. Tu peux cut une Totento, je pense, quand même. Vraiment, en vrai, cette carte-là, elle est bien quand tu commences à partir, mais elle accomplit rien dans le cheminement, quoi. Mmh. Euh. Qu'est-ce qui n'est pas très bien ici? Incendier la tour, ça tue surtout Bronco. quoi. Ah, ça, ça tue, tue surtout Bronco, mais, mais ça tue, ça tue Moussu et ça tue les chauves-souris. C'est ah, vrai que qu tu ont peux... les chauves-souris, euh... tu ne peux, euh, peux pas trop en enlever. Tu peux enlever un analyser le pollen. Pareil, ça participe plus à. Mm. Tu peux enlever un incendier la tour vu que tu as rentré pas mal d'antibêtes un peu clean. Et peut-être que Patelopin, on s'est emballé à 4. Tu, vois tu peux en mettre 3, je pense. C'est vrai que ça ne tue que le, que le démon. Wow, et là, mais... de manière approximative, j'enlèverai un druide d'enquête. Mais c'est vraiment parce qu'on est sûr de l'approximation. Ça me plaît, quoi. moi. On est sûr de l'approximation dans cette vidéo. On montre juste ouais. qu'on essaye de faire des trucs. C'est bien. Mais on est tellement ouais. dans l'approximation. Tu vois, en fait, ce n'est pas des loutres. C'est des phoques. C'est pour on te est... dire on comme, est loin on est... de comme on est vraiment dans l'approximation. Tu ne le sais Alors, pas, mais... J'ai tapé sur Google spécialiste des loutres. Et ça me sort directement que mange une loutre. Eh bien, sache-le, une loutre se nourrit principalement de poissons, de mollusques, d'amphibiens et de petits mammifères. Oh, de petits mammifères, je trouve ça ouais, beaucoup euh... trop hardcore. Mmh. Grosse dalle, la loutre. Hein. Ça bouffe un... tout. C'est un petit mammifère, la loutre. Ah, c'est cannibale. Donc, euh... Ce qu'elle ne te dit pas, c'est qu'elle bouffe ses enfants. Rien à foutre. Oh, c'est pas mal ça. Euh, J'allais te dire, tu ne le sais pas, mais on s'est étiré en même temps. Alors moi, je te vois, donc je le sais, mais toi, tu ne me vois pas. Tu veux dire qu'on a pendiculé ensemble On n'a pas baillé, donc je sais pas si on est sur de la pendiculation, mais on n'est pas loin. L'art de s'étirer. Pas obligé de bailler. Ah, je croyais que c'était bailler en s'étirant, pendiculé. C'est tirer avec vigueur, quoi. donc généralement associé aussi à un, un bâillement. S'étirer avec vigueur. On dirait euh, une phrase pour dire autre chose. Tu l'as <laughs> oh, Ce matin, je me suis étiré avec vigueur, là. J'ai bien commencé la journée. Requinqué, requinquin. <laughs> re je l'ai, je l'ai. J'étais nickel. Oh pounce ah, Calme-toi. Putain, c'est... Je pense que c'est le cut down le moins bien utilisé de, de l'histoire. De Magic Arena. Ouais. Ouais, ça c'est chiant, tu vois. Genre direct c'est chiant. Le mec il fait un bronco, c'est chiant. Ça va. Ouais, moi ça me fait chier. Allez, hein. Eh oui, hein! Comme ça, il va là, faire anti-bet, Bronco, il tape. C'est pas grave. Mais quand Bronco il tape, c'est lui qui perd les pèves au début. Oui, François, ça va. Ça, ça en fait pas une mauvaise carte. Voilà! Bronco qui pioche Bronco. Après, ces vidéos, elles sont utiles. Hein. C'est pour montrer aux gens ce qu'il faut pas faire. Ouais. Ah, là, Je pense que j'aurai un meilleur win rate avec l'ancienne version des loutres. Elle est peut-être moins bonne au global, mais elle est beaucoup plus simple à mettre en place. Talent. Euh, si tu fais double talent, t'as plus. Euh, la ville est trop petite. J'ai besoin de garder ça. Non non, je sais pas. Je, je voulais juste fait. une. <laughs> je non, tu peux faire double euh... talent. Vas-y. Bah, je pensais faire talent et voler de bois. Tu es son bronco. Ok. Ça et on part. garde notre loutre ça me va, je déteste les broncos tu sais ce que mangent les broncos des petits mammifères notamment des loutres des loutres, pas les noutres, des ça, petits mammifères ça, ça fait partie de leur euh, de leur repas principaux alors au menu du jour ben une loutre, comme hier et comme demain <laughs> une petite loutre, de ouais, toute façon il a que ça euh, par chez nous N'empêche, c'est vraiment... Euh, c'est dommage que ça s'appelle pas cheval de cauchemar, parce que c'est vraiment un cheval de cauchemar. Hein. Ouais. C'est un, un cheval serpent, c'est vraiment incroyable. Mmh. Moi j'adore les serpents. Mon cox, je vais reprendre le boons. Information totalement dispensable dans cette vidéo. Je peux vitalité, mais je peux pas uper une classe si je fais vitalité. Si tu fais vitalité, t'as plus que 3 mana. C'est un peu con. Mais si je fais vitalité, tour d'après, je peux faire up une classe et boons dans le tour. Alors que là, si je prends juste, je reprends un truc, il me fait bah je le discarde et on fait bah ouais. Donc moi je fais vitalité d'abord quand même. Vas-y, vas-y. Oui, de toute façon, il n'est pas si menaçant que ça pour l'instant. Ah bah là, on est à 18, il a un moussu. Il a pas menacé. Après, il y a le gros démon qui arrive là, tu vas voir. Mm. Ah oui, ah oh non, ça c'est le plein de merde ça. Je suis à deux doigts de bloquer avec Vitalité pour plus prendre High naughty de. Bah je de me demandais, ouais, je crois que je vais faire ça. Hein. Je crois que tu veux trade le faire. Ça non, trade sa maison. Ok, on va juste aller l'économie de Pev. Ah non. Quoi Mais trade là. Ah, trade J'ai je dit je bloque. Ah, ouais, quoi trade. Ah, ben, bah, j'ai pas compris, moi. Ah non, il faut la trader, comme ça on la voit plus, quoi. Hyper un land. Mais du coup, on pouvait pas faire. Le... Bah là, on a trouvé un land, mais on pouvait pas faire le play de. Je reprends un truc et je le joue. Euh... Si je trade un ah land. Ah non! Ah ouais ouais c'est pas grave, j'aurais tradé sa, sa maisonnette. Ah ouais, parce que le play ouais. de reprendre Boone, c'est quand même cool. Oui, oui, tout à fait, mais j'avoue que là, l'opportunité euh, m'étant donnée par Marlive je, je l'aurais saisi, mais ça, 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 on, ça invalide pas là, on n'est on est pas si mal. Euh, je vais fetcher d'abord. Plus trop de basique là. Rouge, on n'a pas besoin, on est surtout tes murs. du bleu encore. Ah oui, il me l'a exilé. Quel enfer. Avec ça, c'est vrai que ça exile ça. Oh Ah, bien joué, Marliv. Bien joué. Marliv, go, monve. Bah, go. Hein. Ah oui. Ah là, du coup, oui. Bah, oui. Maintenant que j'ai plus Boons, coup... se... pas trader <laughs> la maison, c'est chiant. Est-ce qu'il nous remet un petit coup de maison ou est-ce qu'il développe un peu de board Il pourrait nous, euh, nous laisser un peu de temps. Après le tour d'après, on va juste EP la classe. On va juste EP la classe du coup. On va vraiment plan. juste EP la classe. No bloc. Oh. Bah, là, Comment tu vas tout trade, je pense. Je vais tuer ça, tuer son bronco. C'est ça le laisser un peu au top deck et après toi tu upgrades tes classes. Euh, ou alors tu upgrades d'abord, tu peux passer un tour, upgrader d'abord la classe pour profiter de l'effet... Euh... Ah non mais tu peux pas, tu peux pas upgrader la... la, la, la si classe, je fais là. ça et ça, non. Par contre tu peux faire incendie la tour, j'up une classe pour reprendre. je ouais. prends juste un coup de bronco. Non, non, vas-y c'est bon. Je vais gérer en fait tu me disais est-ce est que tu peux générer des loutres mais en fait il te manque un mana depuis que tu n'as plus... Euh... Exact. Depuis que tu as pu enduring vitality, je peux aussi fight et je me 6. Hein. Ah ouais, moi je suis chaud de fighter là. Allez. Jusque si jamais oh, on okay, avait non. un 6ème land, euh, j'aurais bien, euh, bien d'abord up au dernier niveau et j'aurais utilisé du coup les deux spells dans la main pour générer plein de loutres. Ah oui. Enfin, j'aurais accepté de perdre un temps, de perdre un tour, mais. Je vois. Il y a qu'une carte de plus que nous. Et il cogne. Il nous enlever ça. Ou incendie la tour peut-être. Ouais. Dommage. Ouais, euh... c'est pas trop trop mauvais, disons. Ouais, j'aurais aimé avoir un land de plus. Marche pas sur les landes malheureusement et l'autre cimetière est vide pour ça. Ouais, Je crois que tu es obligé de prendre cette ville et puis tu chumperas son, son land. Hein. Ça va te permettre de, ouais. de temporiser, de récupérer ton instructeur notamment. Tu vas de et trop parce qu'en vrai, tu peux. Tu es obligé d'avoir une cible de son côté pour jouer cette ville est trop petite. Euh... Non, c'est jusqu'à. Ouais, donc non, t'es pas obligé. Ce sort coûte 3 de moins, c'est si c'est un permanent que vous contrôlez. Ouais, faut... je peux renvoyer 2 permanents à moi. Oui, voilà, c'est ça. Mais il faut que je cible au moins un de mes trucs pour que ça coûte 2. Oui, donc ça fonctionne. Tu peux juste champer avec instructeur et le récupérer. T'es hmm. pas obligé d'avoir une cible en face. Je vais récupérer une qui est niveau 1. Il ne fait rien. Bah, je vais quand même récupérer un truc qui niveau 1. Moi, bon, je crois que tu récupères les deux. Piège et classe. Et là, si t'as un land d'étape, t'es pas, es pas malheureux, quoi. T'es pas mécontent. Hum. C'est pas trop mal non plus. Commence par ça. Vas-y, vas-y. On se bat. Hein non, ouais, on se bat un peu. Ouais. On se débat même. Bah, lui, lui, il se bat avec ses lands, mais... Okay. mais. Tant mieux, quoi. Ça c'est pas mal C'est -ce pas mieux de, c'est pas mieux de prendre patte que la chanson. Patelopin pour euh, le démon, au cas où. Ouais. Je suis pas sûr, hein, une réflexion comme ça. Genre, qu'est-ce qu'on accomplit là ici avec euh, Totentos pour l'instant Pas grand chose, c'est vrai que c'est un peu loin. Je trouve ça un peu loin. Je prendrai pas de lopin et je continuerai à boubiter, à survivre un peu. Tourne après, tu vois, j'upgraderai la classe et. <coughs> il sait pas qu'on a incendie la tour, donc je vais attaquer avec les deux. Ouais. Je peux si attraper une maison d'un bloc, tu peux l'attraper, ouais. Il en a rien à foutre. Je peux te dire que Marliv, lui, euh, ça l'intéresse pas les cartes que tu joues. Euh, euh, Je vais dire oui. Il prend deux. Retour et puis oh, pu incendier pour gratter un dégât. Ah oui, putain. Je réfléchissais à Bargain en fait, moi. J'étais focus sur autre chose. J'ai perdu un dégât. C'est pas déterminant dans notre deck. Alors, normalement, on tue pas comme ça. On met beaucoup de dégâts d'un coup. Mais. Ouais. Vu la game, c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir grappé en dégâts. Okay, là maintenant on va juste le boons, chumper avec la 1-1. S'il enlève pas le boons, c'est la grosse erreur. Ouais, ça va quand même. C'est dommage qu'on ait pas euh, tige de Haricot, là, ça nous permettrait de vraiment ouais. faire de la magie en mid-game. Ça aurait été très bien. Il pioche beaucoup de land, tant mieux. Je passe euh, euh, une classe niveau 2. Euh, si tu fais ça, tu peux plus jouer je ta rancune. Ça. Bah, je voulais reprendre ça pour euh, la jouer sur son. Ok, son bloc. Et là, tu peux attaquer juste avec l'instructeur, du coup. C'est ça. Et on vote. Franchement, on se bat, on se bat pour cette vidéo. Là, on se bat en arrière-plan. Là, pour ceux qu'on la ref. Il va, taper. Ah, je vais pas dû attaquer avec ça, putain. C'était un point pour rien. Déjà que le deck est dur. Alors, si on joue mal, ça va être compliqué. Bah, en vrai, t'aurais champé, tu penses Ouais, j'aurais bloqué, sacrifié une classe peu élevée pour le tuer. Et il fait rien depuis tout à l'heure, donc si je lui enlève sa maisonnette. Ouais, ouais, ouais. Là, on est à 4 bras Tant qu'elle met pas le dernier coup, moi, ça me va en vrai. Ouais. Ok, ce sixième land, il pourrait être utile un jour. Ouais. Le problème, c'est que je peux. Ouais, il faut que je bloque et que je tue. Si jamais il est anti-bête, on est. Là, t'as pas On n'est pas mort avec ça, donc ça va. t'as pas le choix. Même si lanti tibet on peut gagner 3 pèves et avoir euh, gestion du coup. Marly, il fait qu'un seul truc dans cette game, maison attaque. Il y a pas d'autre plan. Et clair. Il pioche vraiment beaucoup de landes ou... Je pense qu'il pioche beaucoup de landes, ouais. Après, c'est un deck à 25-26 landes, ouais. ça peut t'arriver de faire des foules, tu les rentabilises pas trop mal. Je fais ça ou pas Ou je fais ça Est que est pas mieux Est-ce que c'est pas mieux de d'abord voir si jamais euh, tu ta créature elle met vraiment les dégâts Oui, non, je, vais, je vais passer, mais. Je la tue voilà. avec quoi euh, Moi, je ferais, je ferais rancune volcanique. Hein. Ouais. Voilà, là, elle a vraiment je pris. Les pas dégâts. son effet. Regarde Et bien tu son effet. Fais... Et tu fais pas son effet, c'est une bonne question. Peut-être que je pourrais recycler incendier la tour qui est pas ouf là sur le bord. Je crois qu'il faut que tu recycles incendier la tour. Ouais. Je vais faire ça là-dessus. Oh parfait, c'est pas trop mal. Ça, ça arrive en jeu. Land, il a pas posé son land. OK, une tige, pas trop mal non plus. Est-ce Six... que tu veux upgrade niveau 6 ou est-ce que tu préfères faire une tige Je upgrade niveau 6, euh, le problème c'est que je vais être obligé de chumper avec la meneuse si je fais ça. Et si tu récupères bet tu peux chumper avec la meneuse, il a plus de menace c'est ça Si je récupère bet ouais, je peux bloquer euh, ça, mais si il est bet on est mort. Là, il faut que je garde 4 manœuvres pour pas crever, je pense. OK. Donc, écoutez euh... plus team euh, tige euh, et on voit quoi. Ouais. Ok, en plus on en repioche hein, c'est très bien. Fin de tour. C'est normal que ça soit si dur, les, les loutres, ou, euh, ou comment ça euh, se passe Je pense que c'est pas le deck euh, le plus simple à jouer, ouais. Parce que l'ancien deck il faisait loutre A plus loutre B, euh, GG Wellplay. Et beaucoup plus simple à jouer, ouais. Eh ouais créatures ah, bah vas-y, mon poulet. Euh, vas-y, vas-y, serre-toi. Prends celle oh, que tu les... veux. Les rêves d'acier et de pétrole, ça c'est un, un rêve érotique pour les phyrexians, ça. C'est vrai, dit comme ça en plus, ça marche très bien. Là, il me propose pas l'étale. Ah bah, tu passes à 1, je crois. Hein, ah, je peux faire un truc euh... marrant, je peux bloquer et faire double spell, j'ai une 4-4, il perd sa sentinelle. Et tu fais euh, double nourriture euh, pioche mmh, Ouais. Je crois que j'aime bien, mais si jamais il développe un démon, t'as un sum. Non, puisque tu reprends après. Vas-y, fais ça. Tu reprends avec la classe. Ouais. Donc c'est ok. Je vais. Piocher une carte, créer un jeu, jeton food. Par contre, si t'as. Si il fait un Tibet, je suis pas mort, il met que 3. Mais ouais, c'est ça. Ouais, ça. Je dis, il peut t'avoir brain, mais. Je crois que c'est mieux, le plan, le, double... ouais, que mieux le... le plan double. Je crois que c'est mieux le plan double patelopin. Hein. Piocher une carte. Food. Oh, tout se met en place. Et il commence à se passer des trucs. Yes. Et eh bah ben alors, mon petit, on oublie de faire son petit token Il a vu notre main et. Non, non, il a fait son token, mais il a rien trouvé. Il a trouvé l'and, et il en a recréé un. Ah, d'accord, ok. C'est pour ça. Il en a loupé un, mais, mais pas du tout. Euh, il a pas de lande qui euh. peuvent attaquer, donc je dois pouvoir mettre deux. Est-ce oui, que je peux passer si... une classe je pense que tu devrais passer une classe niveau 6 ou alors passer une classe niveau, niveau, niveau 3, comme tu veux. Allez, je tente niveau 6. Vas-y. Ça passe. J'ai niveau 2, niveau 1, niveau 6. Niveau 3, pardon. Je vais lander. Si tu meurs pas sur ce tour, tu devrais être plutôt très bien pour la suite. Je propose 2. Tu peux proposer 2. Je vois pas comment il te met une bête célérité là dans la tronche. Parce que Golgari, c'est vraiment pas trop célérité, sauf s'il a le Gitrog. Alors Marlive, si t'as un Gitrog dans ton deck, ce qui n'existe Merci pas, pour le contenu. Mais encore une fois, certains sur le ladder sont, euh, sont des, petits, euh, des petits amuseurs. C'est comme ça que j'aime les appeler. Oui. Ah belle. Pas obligé là le 2 le d'affilée. Allez, vas-y, récupère-moi ah, le, le petit patelopin, s'il te plaît mon Dégage-moi ce, ce satané chiffiez le Tout de suite. Je te remercie. je t'ai oh, vu piocher une carte. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'il me fait Je suis en, en train de lire. Et 3 points. Hein. 3 puntos. Ah, et là, là, tu détapes avec ce board, c'est gagné. Là il va me refaire euh, l'archifielux avec son land en main qui pose pas. Et il a encore un archifielux Là il avait surveillé au dessus. Et il est bon. Eh bah écoute. Euh... Là je peux Boons. Une de tes classes Classe pour la rejouer. Ouais. Ça et celle qui est. Bah une qui est niveau 2. Pas celle qui est niveau 3. Va-t-on tuer Ah putain, mais j'avais peut-être l'étal là, j'aurais dû faire ça. 1, 2, Tu que t'avais l'étal Je sais pas si t'avais l'étal. Attends d'être sûr d'avoir l'étal. Je fais x égale 3. Tu si, sais, attends, je fais un truc cool là. Je fais ça là. Tac, tac, tac. Bam, toute à la célérité. Là, je crois que j'ai 17, mais au cas où, j'en refais un petit. Oui, voilà, remets un petit si jamais on a un doute. Voilà. Ah, merci Marlive. Et ça, les Allez, poulets, c'était une game. Quel enfer. Il nous reste 12 minutes. Il nous reste 12 minutes pour la dernière. Mais on va réussir. Ça va le faire. Niveau du side. Je crois, euh... Je crois que le side, il est optimal. J'adorerais avoir une tige de rico de plus parce que c'est vraiment bien. Mais... Euh, bah alors vas-y, viens, on réfléchit à ce qu'on peut enlever. En vrai, incendier, c'était ok Mais on en a quand même besoin. Peut-être que voler de bois, tu peux en enlever une, c'était vraiment médiocre, ça, pour le coup. Ouais. Je peux faire une tige. Et comme ça. Ouais. Pas de MVP. Hein. Patelot pain délicieux. Euh, et je préfère vous dire, quand je tourne cette vidéo, je vais arriver en retard en stream. Vous le savez. Euh, bah, en vrai, es pile dans les temps parce qu'il te reste 10 minutes pour jouer cette game et il te reste 10 minutes pour arriver en stream. Ouais, mais j'ai pas, pas installé ce que je suis installé. Ah, oula, punaise. Effectivement. Si c'est long, ça va, être, ça va être bon. Non, c'est pas censé être très long. Euh... Bah c'est étonnamment keep Ouais, c'est pas bon, hein, mais... Tu vas pouvoir au moins gérer ces euh, broncos et ces merdes d'Early Game, tu vois. Ouais. Je passe par sur Rouge, hein. Je fais pas forêt, voler de bois sur montagne. Non, non, oui, complet, tu passes par sur Rouge. Allez, lui, ça dégage. Oh, le Broncox, il va se prendre un incendie à la tour. Pas piquer des hannetons. Là, je vois déjà ce qui va se passer. On va faire anti-bête là. Il va faire glisser. On fait anti-bête. On, on se pense frais. Il refait une glisse. On a perdu. Mais non. Ne, ne, non, ne théorise pas euh, dis, des vale. avenirs apocalyptiques comme ça, là. Fin de tour euh, Ouais, 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 oui. Juste pense bien à le tuer avant si, qu'il passe en phase d'attaque. S'il a double Glissa, on perd cette game, voilà. Vale. S'il fait Glissa, par contre, on la tue, et il fait Mephidros, on gagne cette game. Mais il a pas, ça euh, va, double, il a pas double Glissa. Bon, oh, mais c'est parfait, ça mais c'est parfait ça est parfait. Allez, incendie moi ce, euh, ce mouvement. Si je veux pas aller chercher une petite, euh, un petit land là. Pour augmenter nos chances de piocher autre chose que de la merde. C'est un ouais, exemple dis, là, de ce que je peux faire. T'as as plein d'interactions, pourquoi pas. Allez. J'ai une petite île. Petite île justement. Et j'incendie maintenant. Là, lui, il va jouer sa curve parce qu'on le connaît. T'es vraiment un gros patapouf, Marlive. Drop 4. Oh, le patapouf, enfin, quoi. Drop 2 drop 3, drop 4. Tu dirais qu'un joueur de midrange qui curve, c'est un patapouf Ah oui. Ah, bah quand tu curves des 6-6 vols tour 4, t'es un énorme patapouf, ouais. Et toi, t'adores être patapouf, non, Val Je déteste ça, moi. Comment ça T'es pas joueur de mid-range qui curve Si. Voilà. Si, mais pas dans cette vidéo. C'est quoi vidéo, même... Je suis un joueur. C'est le roi des joueurs de loutre. Je suis un joueur de loutre combo. Un filou, un malicieux. Oui, bah. Moi aussi, hein, je peux mettre des lunettes, une moustache. Hein. Un amoureux de la personne. nature. Tu vois ce que je veux dire Plus personne n'écoute, Val. On s'est arrêté à patapouf. -à euh, Forme-moi je... ce patelopin, là. Ouais, je vais gérer ça et mettre une petite loutrace. Hein. Tout à fait. Gros, c'est comme si le plan se déroulait sans accro. C'est tout éphémère bah, Fin de tour, hein, tranquille. Oui, oui, c'est vrai. Faut le faire avant qu'il passe en end step quand on va pas lui donner une carte de plus. Bon bah ben, vas-y, discard, hein. mon loulou. Après on le laisse piocher 10 fois, il meurt. Hein. Non, on va pas le laisser piocher. Non mais, je veux dire, ça peut arriver quoi. Ça peut arriver, ouais. Ça n'arrive pas. Ça ne va pas arriver, non. Vous êtes lourd, ok, ok, ok. Tiens, bah en réponse, je trouve, je trouve que c'est bonne guerre. Cela dit, c'est de bonne guerre. Tu gères tout ce qu'il fait, il gère tout ce que tu fais. Bon, On au milieu, il reste une l'autre. quoi On n'est pas là de faut aller chercher une bête. Hein. Je ouais, mais mais comme un point. Pas de comme t'as pas de picklock prankster. C'est quand même un peu dommage. Il faut pas un point. Je préfère bloquer, tuer. Je vais ouais, juste euh, gorge et passe. Ouais, non, je vais pas lander, Fais si fondée. je fais ça. Fais gaffe, t'es à 8 minutes de, de gameplay. Je vais mettre ça sous mon deck en fait, je veux trouver autre chose là. Comment il fait pour avoir autant de cartes en main alors qu'on a tout géré Putain, quel enfer. Bon, en vrai, ça va. Bah, C'est chiant quand t'as ah le oui. talent du chasse-orage, mais. On a pris 10 minutes de plus, on est quand même un peu mou quoi. On est un peu mou, ouais. Après, on a un deck qui est un peu euh... exigeant. Euh, non, ce qui est chiant, c'est qu'analyser le pollen, du coup, n'ira me chercher qu'un land dans cette game. Ouais, ouais, effectivement. Effectivement, c'est un problème. C'est un hein. problème. Dommage. C'est gros, hein. C'est très, très gros. C'est très gros. Euh. Je me tâte à euh, faire ça pour piocher une carte, mais bon. Non, tu peux peut-être le coupler avec un autre, euh, avec un autre spell. Genre ah, une belle. gorge de lingouivre. c'est pas parfait, non On y est là. Hein. Ah bah bien joué Marliv, il a été meilleur que nous de toute façon. Oh quel enfer Putain, on joue 20 landes. Ouais. On joue 20 landes, c'est On a même pas une chance sur trois de piocher des landes. Et on pioche des landes. Variant C. Variant C, cadencé. Moi je trouve on a proposé un truc sympa quand même. Bah, on s'est battu. On ah s'est ouais. battu, on a fait un joli kill la game précédente. Non mais c'est vraiment très dur à jouer, c'est très dur de, de partir en, en boucle avec ce deck. J'avoue que c'est franchement compliqué. On va tuer le Bronco je pense. Mm -hmm. ouais, que je tu dirais qu'on s'est battu comme de beaux diables. On s'est battu comme de beaux diables, ouais. Comme de belles loutres finalement. Oh, mais ça sert à rien de faire ça, bon sang Marlive. Si, si, il veut juste Ça te merde. tuer en deux tours. Moi, je vais lui quais la combo à la gueule, là. Ça va lui faire tout bizarre. Attends, est-ce que je peux reprendre un truc qui est le gère Et non, il m'a bien exilé ce qui est le gère. T'inquiète. C'est quand même qu'il est pas trop con, marlif, tu vois. Ah. On dirait pas sous ces, airs, sous ces airs de mec qui curve à tous les tours. Hein. Il est pas sous trop con. Sous ces airs de curveur patapouf. <laughs> de, de curveur patapouf. Finalement, il se cache un, un petit cerveau malin hein, quand même. Oh le petit ballon. Ah j'espérais J'espérais qu'il puisse m'exiler ma bête. Comme ça, au moins, je suis deg. Ah bah c'est la totale, hein. Allez, patelopin maintenant. Pas de Lopin maintenant pour la remontada. Oui. Oui. Allez, maintenant, Patlopin. Oh les mains, pas euh, Passe son tour là, c'est bon. C'est pas fini. Oh, oh je suis une attends, progéniture. Tu... Ben si tu fais une progéniture, on a perdu. Mais oui, je sais. Ah ben, j'y vais hein. Vas-y, vas-y. J'y vais, pas Ou tu veux que je filtre un peu avant Non, 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 filtre rien, t'es caté. C'est bon. Attention. Oh ça passe. Oh ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est très drôle que notre top 4 ce soit ça. Je vais prendre ça. Ça fonctionne, ça fonctionne. Je passe ça au on... niveau 2. On va attendre du coup euh... à son tour. Et oui. Bon ben j'attends pas. Ah tu attends pas, hein. effectivement. Mec, ça part de là. Hein. On est là. Ça part de là. Il va rejouer son gros démon. Moi, je vais rejouer mon instructeur. Sauf que statistiquement, je sais maintenant qu'il n'y a pas beaucoup de chances que je pioche un boons. Non, mais tu peux te piocher un patelopin. Je peux piocher un patelopin. Ah. Nice. Oh, il te laisse un peu de temps. Ouais, il est cool. Et t'as un pollen. Il est cool le il man. Un... Il y avait un pollen ici. Euh, bah alors, si le pollen fonctionne. Oui, c'est qu'il a loupé un truc. Je me fais bon frère. Ah bah non euh, Ok, il a exilé aussi ton cimetière. Putain. Ah bah oui, il avait le mana vert. Bah, on va pas se faire chier. Il est, il est sympathique, lui. Un vrai, euh, un vrai frère. Il y a un monde aussi où il va faire euh, plein de... de merde vol, là. On va être content. Ah, peut-être pas. Alors, je pourrais casser l'Arthos. Je préfère que tu fasses mais... d'abord instructeur pour voir ce que tu... Ah, non, ou attends Je peux le faire. Tu peux le, faire, tu ah, peux le progéniter Ouais. Progé Progénite-moi ce truc, s'il te plaît. Allez, tiens, cadeau. Il me demande si je valide comment ça engage les landes. Ouais. J'en ai 6, bah, il faut les incliner. J'ai le six. choix euh, finalement, le jeu. Ok, parfait. C'est parfait. Les petites patoons. Totentanz là. Ah, il faut euh... y aller, voilà. Totentanz, ok, ok. Il n'a plus rien. Il a la voix Putain, on va le... Putain, on va le faire. T'as 6 minutes, hein. Donc fais attention, pas d'attaque. Pour l'instant, ça va. 6 minutes, je suis encore large. 6 <coughs> minutes, moi je commence un peu à stresser, mais. Mais tranquille, tranquille. C'est pas pour te mettre la pression que je dis ça, Ben. Non, non, tranquille. Il va pas quel l'an d'étape. Après, s'il nous fait. Il y a combien de. Ah, ça c'est chiant. Ah, c'est hyper chiant ça. Il y a combien de 1-1 qui peut créer avec son aspirateur à la noix là euh, Autant que ce qu'il a exilé. Et à son fly. Et mais c'est que pour les créatures. Non. Chaque carte, chaque carte de créature. Bah, ah si. si. Pardon. Je croyais que ça, <laughs> de, ça transformait les, les spells en un. Les... Ah oui non Donc, non, tu peux moi. pas transformer les rituels et les éphémères. Bah, du coup il a qu'une bête. Et là il a top okay. decké. Juste de quoi euh, non, c'est là. Il a top des quais, juste de quoi. Euh... Ouais, annuler nos plans. Ouais ah, mais il t'a laissé patelopin, hein. Ouais, il est bon quand même. Oh autant Ça suffira non, pas, ça mais je pas. vois ce que tu veux dire. Alors ouais, écoute, ouais. patelopin, euh, l'archifiez-le. Je vais le pateloper de suite. Parce que finalement il a gardé son aspirateur mais un peu Ozef en fait. <coughs> je vais y foutre deux. Ah j'ai même envie de faire meneuse, pollen, juste pour un land. Histoire de mettre des points et d'essayer de tuer le tour d'après avec ça. Non, c'est con. Non, c'est con fait. Ouais, fais gaffe, il a sa maison quoi, c'est ça qui me fait peur, moi. J'y mets deux ou pas Si tu mets deux derrière, tu bloques comment la maison Je bloque maison avec instructeur et je prends trois. Ah, du coup c'est pas bien de mettre deux, je crois pas. Hein. Mais mon plan c'est de faire ça fin de tour in tout temps et essayer de kill. Et tu crois que ça tue Si t'as pas enduring ça, ça, ça n'accomplit rien. Hein. Enfin ça accomplit pas assez je pense. Du coup faut pas attaquer selon toi Je me trompe peut-être, mais vas-y, prends prends ta ligne si tu veux. Je tente. Parce que s'il trouve en Tibet, euh, il peut pas Maisonnette en Tibet. Non, non, ça c'est sûr. Ok, il trouve bien de la merde. Ce qui va lui permettre de faire juste un bronco. Ah, pas ce tour-ci. Bien ce qu'on avait prévu, ouais. a un truc du cimetière. Yes. Là, je peux ça. Ah, attends, je peux même... Meneuse. Analyser, analyser le, le pollen, ça fait plus 1, plus 1 2, 3, ouais oh, ça change rien non ça change rien mais si t'avais gardé le token, ça fonctionnait tu pouvais le trader sans donner ta meneuse euh bah là ça je hein. bah en fait je vais donner 2 bêtes dans tous les cas là je prends 3 je passe à 1 ouais ouais et je vais garder ça pour avoir un trigger de prouesse m'exiler un truc 1, 2, 3 je peux faire quatre rats euh, analyser le poème donc je mets 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 à ah, ça quand il va s'en servir ça va faire de la magie hein. oh tu peux récupérer quoi est avec ça prowess. je peux remettre une bête tu vas pouvoir rechumper, en fait. Je suis une bête rouesse. Est-ce que tu mets pas six points et là tu développes Totentos juste pour bloquer Et ça bloque pas les rats. Ah putain. Mais je crois que je vais faire 3 rats. Peut-être que t'as l'état. Mais non. Imagine. Euh... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eh ben j'ai l'étale avec ça, ouais. Oh, let's go. Incroyable. Est-ce que maintenant on changeait Un grand chose, grand -chose Je ne crois incroyable. pas. Exceptionnel. Oh, c'est fou. Mec, c'est trop. Oh, c'est fou. Ah non, t'as gagné, c'est fou. Oh, c'est le meilleur deck. Mais il est trop ah, facile à vraiment Il est vraiment super fort, Trois ce minutes deck. À la cloche. Il est vraiment super fort. <laughs> Nickel. On ne touche pas. <laughs> oh, c'est grandiose. C'est grandiose. Franchement, Parfait. Tu sais quoi Je vais te le dire. Hein. Non, il faut que je le dise. Hein. C'est de la belle magie. Ouais. Ah, c'est de, de la très, très belle magie. Oh, mais mais on s'est battu, très comme magie. tu le disais, comme deux beaux diables. Ah là, moi, je n'ai pas vu euh, deux copains qui jouent aux cartes. Hein. J'ai vu deux beaux diables qui rossent. Deux de beaux diables qui rossent. Mais les types qui ont ramené ça au world, mais vraiment, ils se sont mis dans des conditions. Tu vois, dans les jeux, quand tu choisis, ah, ouais. tu sais, dans les, euh, dans les Dark Souls, quand tu choisis de te mettre en, en format, euh, comment ils appellent ça En enfer, tu sais, avec des handicaps de fou. Ah oui, euh, ouais, ouais, je vois. Eh bien eux ils ont que fait que les pas. world comme ça. Ils sont liés en mode galère. On met ah, aucun ouais. point de talent, on juste... 100% euh... skill. Ouais. En mode no-hit. Je fais tout à la roulade. Voilà. Mais, euh... mais pourquoi vous faites ça les poulets Enfin vous pouvez juste ramener des bons decks. <laughs> Pour... Pourquoi... Euh... Il y a des decks plus simples. <laughs> ouais. Non mais c'est vrai, il y a des sûr. decks plus simples. Ah, ouais, ben, donc, écoute, grandiose. Fin grandiose. de cette vidéo, masterclass finalement. Normalement, oui. j'ai créé la Master Chias, et en fait, c'était la Master Class depuis tout ce temps. Mais tu sais, souvent, euh, ah, elles sont très. C'est côte à côte. Hein. Eh elles oui. sont camarades de classe, c'est clair. Euh, pouce le commentaire, partage, abonnement, réseau dans la description avec notre chaîne Twitch Valpel Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de, de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.